La maison de l'emploi et de l'insertion de Lens-Liévin et Nain-Carvin a proposé une journée découverte autour des métiers de l'industrie et de la logistique. Avec cet événement, le public demandeur d'emploi a eu l'opportunité de rentrer au cœur de ces secteurs d'activité où les besoins sont importants. Donc on est sur un événement de découverte des métiers qui s'appelle Log Industoi. Les demandeurs d'emploi ne connaissent pas ces zones, n'ont pas forcément l'occasion toujours de venir visiter et comprendre ce qu'on y trouve comme métier, comme activité. On travaille aussi avec les structures qui accompagnent les demandeurs d'emploi à proximité pour que, là aussi, attirer, mieux faire comprendre ce qu'on y trouve dans ces zones. Et ce sont 6 des nombreuses entreprises du parc d'activité de la Motobois de Arne qui ont accepté d'ouvrir leurs portes, comme l'entreprise Alkern, implantée depuis plus de 50 ans dans cette zone et spécialisée dans la fabrication de béton. On propose un tour de site pour faire voir un peu la fabrication des produits en béton. Pour perdre un peu cette image du produit béton, où on pense toujours qu'on va prendre une pelle et une bétonnière pour fabriquer du parpaing, on voudrait que cette image s'arrête et qu'on voit un petit peu justement l'automatisation de nos usines. Et l'objectif de cette journée était double, grâce au forum Osons nos talents. Certains ont testé des métiers grâce à plusieurs ateliers de pratique et la présence d'autres partenaires issus d'autres secteurs, comme le transport, la mécanique ou la mobilité, a permis à d'autres de trouver des idées d'orientation, comme Sylvie de Billet-Berclos, actuellement en centre de formation et à la recherche d'un emploi. Très intéressant, il y a un petit peu de tout. Je ne savais pas qu'en étant plus âgé, on pouvait faire de l'alternance. Moi, je conseille, je vais à tous les forums déjà, donc je conseille aux gens de venir et voir déjà. J'ai essayé un élévateur, je n'avais jamais fait, et ça m'a plu. Enfin, pour l'agglomération de Lens-Liévin, qui veille au développement et à l'aménagement économique du territoire, le lieu de cette manifestation constitue un endroit idéal pour un tel événement qui doit perdurer sur le long terme. Alors c'est un événement important qui se déroule aujourd'hui sur le territoire dans la zone de la Motobois. Une zone assez importante qui participe entièrement au développement économique de notre agglomération, qui est une zone qui recrute beaucoup, qui se développe énormément. Et donc on a trouvé judicieux de pouvoir mettre en place ces actions au cœur de cette zone d'activité.